Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Le portail légendaire sublime est disponible sur la version globale avec les deux nouveaux LR qui, comme vous le savez, hein, j'en ai parlé pas mal de fois, sont très limités, hein, ils sont bien, enfin surtout le C17 Intelligence, mais ils sont très très limités et c'est vrai que c'est pas très très intéressant. D'autre part, le portail en lui-même est vraiment nul à chier, il faut quand même le dire, hein. Même pour un portail légendaire, c'est vraiment pas ouf du tout. Donc, comme je vous l'ai déjà dit en free-to-play, je vous invite clairement à pas trop invoquer, voire pas du tout. Je rappelle qu'il y a déjà les tickets à invoquer, hein, les tickets gratuits. J'en ai 33, moi, alors je vais être à peu près ça, hein. Il y en aura encore quelques-uns, il me semble, dans la partie 3. D'ailleurs, bon, petit disclaimer par rapport à ça, parce que c'est vrai que dans la vidéo « Être prêt pour la partie 3 », je vous ai dit « Oui, c'est lundi !» Mais non. C'est pas aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un... Je m'en souvenais plus, mais c'est un peu trompeur, parce que tu te dis, il y a le portail sublime, c'est la dernière partie, mais non. Le portail sublime, en fait, il vient comme ça, tout seul. Et la partie 3, c'est que la semaine prochaine. Donc je m'excuse pour l'erreur, bon, ouais, ça arrive, hein. Donc cette semaine, c'est vrai que ça va être on va un peu s'ennuyer. C'est vrai que je me rappelle de la jappe de ça, parce que... ok, il y a le portail sublime, mais il n'y a pas de contenu, donc du coup, pendant la semaine, bah, tu te fais chier. Bon, moi, j'ai pas fini de farmer les vieux Kai. Mais bon, certains vont se faire chier. Bon, après... Franchement, ça sera un des rares moments où vous allez vous faire chier. Hein. Donc franchement, ça va. Hein. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, bah du coup, on va y aller. On va pas perdre plus de temps. Je vais cramer tous mes tickets, bien sûr, sur le portail sublime. Vu que j'ai les deux LR des 6 ans, ça n'a aucun intérêt d'aller de l'autre côté. Mais vous, si jamais vous voulez réinvoquer là ou là, enfin là ou sur le portail de Migaté, pourquoi pas, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre vos tickets ici. Donc du coup, j'aimerais bien avoir un des deux. Franchement, j'aimerais bien avoir un des deux. J'ai un des deux, c'est très bien. C'est vraiment nickel, c'est parfait. Si j'ai les deux... ouais, bon, on va voir. Mais voilà, un des deux, ça serait cool. Et, rappel, parce que je l'ai dit en stream, mais je l'ai pas dit, sinon je l'ai pas dit. Donc, si jamais, Thalès, Tapion, C17 du coup, ou Freezer, tombe sur les tickets, c'est la piscine. C'est la piscine LR, les gars. Donc, on va voir. Un des quatre, ceux que j'ai pas, sur les tickets. Si ça tombe, on y va. Bon bah du coup, on va dire, alors oui, le portail quand même. Le portail, alors, bon évidemment les deux LR, c'est ça qu'on veut. D'ailleurs, bon je sais pas si je l'ai dit, mais je préfère C17 Intelligence que Golden, je l'ai sur la JAB, je l'ai jamais joué. Le C17, je le jouerai pas beaucoup, mais déjà un peu plus. Donc Golden agit très bien, mais 100% depuis un milliard d'années. Le Golden, très bien, mais 100% depuis un milliard d'années. Sympathique, mais 100% depuis un milliard d'années. Je le joue jamais, mais ok, voilà. Mais 100%, pareil. En plus, bon, lui, il est nul à chier. Sympa en duo, mais pareil, ça date d'un milliard d'années. Ça, pareil, ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est une carte du début du jeu. Pareil. Voilà, donc en gros, les cartes, elles datent... je crois que, en fait, 95% des cartes du portail datent d'avant le premier anniversaire du jeu. Je rigole même pas, hein, à part ces 17 techs. Toutes les autres cartes, je pense qu'elles sont sorties avant le premier anniversaire. Bon, pas tout à fait, Freezer Endurant, je crois que c'était avec Goku et CJ4 Full Power, je crois. Mais même lui, non, bon, j'avoue, j'abuse un peu, mais... j'abuse un peu, mais c'est des cartes qui sont très, 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 très anciennes. Donc, en gros, c'est pas qu'elles sont nulles. Alors, si, certaines, oui, mais... c'est juste que... on les a vues un milliard de fois, quoi. C'est tout. Hein, c'est des persos ultra récurrents. Bon, allez, c'est parti, les amis. Let's go, je compte sur vous. Je compte sur vous, je compte sur le café LR. Très bon. Et on est parti, il n'y a pas de SSR garanti. Vous pouvez faire des singles si vous voulez. Hein. Ça marche. Ok, SSR. Je veux dire, les taux sont pareils. Ichika Pashkada. Les taux seront les mêmes, enfin je veux dire single ou multi, ça changera rien du tout. Alors en détecteur, il me manque Krillin. Ah oui, du coup, j'ai pas. Enfin, il me manque les. Il me manque les TUR des portails des 6 ans. Si j'arrive à avoir un des deux, ça serait quand même assez incroyable. Hein. J'ai pas les TUR. Oh là là, et on commence avec une carte détecteur. Ah, sur les tickets, les cartes détecteurs, elles tombent. Sauf que. Bon, on veut l'LR, tu vois, mais. Deux cartes détecteurs. Pourquoi ça se passe pas comme ça quand j'invoque sur le portail Dokkenfest? Hein? Moi, je veux bien le détecteur sur les portails Dokkenfest. Bon, première multi, vraiment pas mal. Hein. Deux cartes détecteurs. Bon, voilà, après, on veut un LR. On veut un LR. Y'a Whis, mais tout seul. Bon, ça sent la merde. Je crois que Whis peut même pas proc sur une non-transformation, de toute façon. Ça sent la poule SR, ça.
Ah non, un SSR, ok, d'accord. Bon, bah, ça va être un truc hors détecteur. Je sais plus ce que j'allais dire, mais oui, le hors détecteur, donc Krillin Tech. Et les deux SSR du, de l'anniversaire que j'ai pas, ok. Oh, le Trunks qui n'a toujours pas d'éveil. Incroyable pool, là, c'est... Alors, on a été chercher là, la carte, la dernière carte qui n'a pas d'éveil. Sans compter Néo... Enfin, non, les Néo Super, ils sont éveillés. Enfin, certaines... certains trucs exceptionnels, mais... Allez, un des deux. Vegeta. C'est un fake. C'est un vrai. C'est un faux. C'est un faux, et on passe de une fusion peut-être à une multi-full SR, je crois. Ouais. Enfin, full SR, R, voilà. Ah, ouais, les montagnes russes, au niveau de l'émotion, c'est... Ah, fusion... en fait, non. En fait, c'est... Non, t'as rien, frérot. Bon, après, ne soyez pas trop déçus si vous avez rien sur les tickets, hein. C'est pas si étonnant que ça, hein. Y a pas de CSR garantie, c'est souvent là que les LR, ils tombent. Voilà, bon, faut pas s'attendre à un miracle non plus, hein. Bon, c'est vrai que sur la jauge, j'avais réussi à avoir Golden. Et franchement, je m'y attendais absolument pas, c'était vraiment un truc de dingue. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Parce que là, du coup, ça fait l'équivalent de 3 multi, bon, c'est... Bon, c'est déjà bien, hein. Dans tous les cas, ça fait plaisir. Mais bon, c'est chaud d'aller chercher un truc. Y'a rien du tout ici. Il ne reste déjà que deux multi, ça part très vite, hein. Oh, ça part très vite, hein. Les stacker, les tickets, c'est long, mais pour les claquer, ça va très vite. Allez, un petit LR avec Bou. Et c'est une multi vide, ça encore. C'est une multi vide. C'est une multi vide. En vrai, le jeu là, il m'envoie C17. Je invoque pas plus, hein. J'ai un des deux, c'est bon. Bon, de toute façon, on va pas. Ouais, bon, on va voir, mais. Parce qu'à moins d'avoir un dernier frisson, du coup, je crois qu'on a eu 3 SSR, je crois, voire peut-être même 4. Je sais plus, je crois qu'on a eu 3-4 SSR, on est dans les taux, hein, mais... Allez, un dernier frisson, bien sûr, avec Yamcha, bah ça promet. Arc-en-ciel, donc il y a un SSR. Arc-en-ciel, il y a un SSR. Ok, c'est Gigod. Bon, après, ça sent... Ça sent pas le LR, hein, mais sait-on jamais, hein, sur un malentendu, C17 LR tombe. Okay, bon, alors C17, non mais le LR, hein, voilà. Ouais, alors non, Trunks, bon, là on est hors sujet. Non mais un petit LR, tu vois, genre sur un malentendu. C'est sur la dernière carte, comme si on faisait une vraie multi. C17 LR. Regardez, il est là. Waouh. Waouh. Bon, je vous accorde une multi par rapport à la piscine LR, et puis après, bah, après c'est fini, hein. Sinon, c'est le principe d'un pari comme ça, parce que sinon, ça sert plus à rien. Allez, on y va, let's go. Let's go, let's go. Et on a Vegeta, mais est-ce que... La fusion! La fusion, Vegeta bleu! Il veut me faire aller dans la piscine! Ah ouais, les DS, ça marche mieux. Il veut me faire aller dans la piscine. Non, après, ça peut être un hors détecteur. Après, le switch direct. It was at this moment he knew. He fucked up. Ah non, oh, c'est dur. Bon. Moi, je l'ai pas à 100%. Hein. Je crois que j'ai qu'un doublon, mais... Oh, c'est dur. Attends, sur la première carte en plus. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur de me hyper. Putain, oh, c'est... Oh, tout ça pour ça. Faudrait bien que ça arrive un jour, hein, mais... Oh, toute cette hype qui est montée en moi pour Mighty Mask. Oh, j'ai mal. Il y a une carte détecteur encore. Oh, j'ai mal, les gars. Oh, c'est monté, puis c'est redescendu instant. Ça m'a bloqué. Oh là là, c'est... Encore une carte détecteur. Non, mais ok, mais... Non, mais ok, mais là on a déjà tapé, je crois, 3-4... Enfin, genre 3... Ouais, 3-4 cartes détecteur, mais... Mais c'est pas les bonnes. Oh là là, toute cette hype qui est montée... Pour Mighty Mask. Bon, je crois que j'avais qu'un doublon, tu vois, bon. C'est pas perdu, il passera ZLR un jour, mais... ça calme, hein, clairement. Je fais... Allez, calme-toi. Waouh, Piccolo Clone, incroyable. Ah là là, magnifique. Allez, on s'en fait une petite deuxième. La petite deuxième, let's go. On veut un LR encore. Toujours plus de LR, tapion. Et Gone tout seul, ouais. Ça sort la multivide. Ça sort la multivide. C'est totalement une multivide, ça. Ah, J1LR, ça y est, le jeu, il régule les taux.
Sauf que j'ai eu un LR, voilà quoi. Hein. J'aurais pas appelé ça un LR parce que pour l'instant c'est de la grosse merde. Il est pas sur le détecteur, hein, Piccolo. Hein. Donc là, je viens de taper deux fois la même carte coup pour coup. Ce qui est quasi impossible, hein, je vous rappelle. Hein. Allez, 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 la faille. J'ai pris un pack pour débloquer les taux. Ok, ça marche. Krillin C18, ça marche. Détecteur, LR, 3 SSR. Collé de Waïda, LR ou détecteur. Ça peut être encore un LR. Hein, qui est hors détecteur. SS Gigot, c'est bien SS Gigot ou c'est pas bien? Long Kamehameha? Non. Allez. Et le jeu aime bien m'ôter tout espoir dans cette vidéo, hein, parce que la carte détecteur qui tombe direct, d'ailleurs, ça fait combien de fois qu'on le drop, lui? Nul. Du coup, potentiellement, il n'y a rien d'autre, hein, malheureusement. Mais peut-être que... qu'il y aura autre chose. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être. Non. L'animation pour Freezer, tech. Ok, le seum encore. Ah, le jeu qui m'a ôté tout espoir encore, là. Waouh, Colliflage, hein, 100% depuis 3 milliards d'années. Détecteur qui tombe, allez, j'ai mis ce clic. La faille, pas de faille. Mais il y a le trio des merdeux. Pas de fusion. Collé de Waïda, carte détecteur ou LR. Pas de Zeno. Un long Kamehameha peut-être sorti de nulle part. Je sais pas, éventuellement... Non. Ça va être encore une carte détecteur sur la première carte pour m'ôter tout espoir. Non, pas sur la première, ok. Allez, C17. Freezer. Thalès. Tapion. Ok, Fatbou, ouais. Là, par contre, on tape vraiment le hors-portail, mais... qui date d'un milliard d'années, tu vois. Hein, c'est dur. C'est dur. Allez. Le LR, Tapion. Ouais, vraiment, tu me donnes Tapion. Même Thalès. Mais je suis plus content que les autres. Hein. Je rigole pas. Hein. Je serais plus content. C'est bon. Pour l'instant, ça tombe pas, mais ça se trouve, ça va tomber sur la... genre là, tu vois. Juste avant la fin. Ou alors, il s'agit peut-être d'un LR. Ou alors, c'est le troll qui arrive. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais bon, ça m'avait fait ça. C'était sur quel portail, déjà? Ah oui, c'était sur Janemba. Où j'ai tapé une carte détecteur à la con sur la dernière carte. Bon, on se dirige clairement vers la dernière carte. Hein, donc, il y a moyen qu'il y ait un truc. Il y a moyen aussi que je me fasse troller. Ah, même cas de figure. T17 qui est sur le portail. Let's go. Bon, bah sur ce, on va s'arrêter là. Rendez-vous ce soir pour retenter le coup. Si jamais, et puis on verra bien si on arrive à avoir au moins un des deux. Hein, ça serait déjà cool. Bon, sur ce, des bisous à tous, good luck pour ceux qui vont invoquer, enfin en tout cas déjà avec les tickets. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu un truc sympa. Bisous, ciao.